Salutations. Dans cet épisode un peu particulier de Dans les Grandes Lignes, je vais vous parler d'une anecdote très intéressante concernant toujours mon domaine de prédilection, dont je voulais parler depuis bien des années. L'histoire d'un soda que vous avez très certainement déjà bu au moins une fois dans votre vie, peut-être parce qu'il n'y avait plus de coca. Justement, lorsque les États-Unis entrèrent en guerre avec l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, l'exportation de sirop de Coca-Cola venant des États-Unis pour alimenter les usines Coca-Cola maintenant sous le Troisième Reich fut stoppée. Devant ces restrictions et devant l'impossibilité de continuer à produire du Coca-Cola, Max Kay, président de la société Coca-Cola Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, chercha alors une alternative pour continuer à produire des sodas. C'est alors qu'avec les moyens et les ingrédients disponibles, ils mirent au point un nouveau soda à base de lactosérum et de pommes, alors encore disponible en Allemagne, généralement récupéré de restes de fabrication de fromage et de pommes pressées. Pour choisir le nom de cette nouvelle création, Max Kate proposa aux employés de la société un petit concours dans lequel ils devront faire preuve d'imagination pour nommer la nouvelle boisson. Ce sera celui qui proposa Fantasie, littéralement « imagination » en allemand, qui sera déclaré vainqueur. Fantasie en référence à la créativité dont ont fait preuve les concepteurs pour créer la boisson avec peu de moyens, par la suite abrégé en Fanta. Le Fanta pouvait être produit avec toutes sortes de fruits suivant leur disponibilité, ce qui donnera par la suite à la boisson plus d'une centaine de saveurs différentes. En Hollande par exemple, une variante fut mise au point à base de baies de sureau dont l'approvisionnement était aisé. Après la Seconde Guerre mondiale, la maison mère de Coca-Cola récupéra la recette allemande. Au cours des années 50, la boisson sera largement commercialisée en Europe, en Afrique et en Amérique latine. En revanche, elle ne rencontrera pas un franc succès aux États-Unis à cause de la solide concurrence qu'opposait Pepsi et sa multitude de variantes. C'est grâce à la recette du Fanta Orange, produite à Naples en Italie avec les agrumes locaux, que la boisson Fanta fit fureur. Ce sera d'ailleurs jusqu'à maintenant la saveur la plus vendue. Voilà toute l'histoire dans les grandes lignes de la petite boisson qui fit bien du chemin depuis sa création dans la Ruhr lorsque la guerre faisait rage, à nos jours où elle nous rafraîchit toujours autant, 8 décennies après cette triste époque. Voilà tout pour cet épisode de Dans les grandes lignes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous y aurez appris des choses. Prosit, camarades.